Depuis deux semaines, les téléspectateurs ont pu retrouver le programme Marié au premier regard sur M6. Lundi 28 mars 2022, une nouvelle célibataire a ainsi été découverte, Émilie, âgée de 34 ans, maman célibataire qui a une histoire bien compliquée. En effet, celle qui est gestionnaire de patrimoine a dû vivre sa grossesse toute seule. Le papa de son enfant l'ayant abandonnée quand elle était enceinte de 4 mois. Les médecins avaient alors révélé que l'enfant pouvait être atteint d'un handicap. Seule et en difficulté, Émilie a été contrainte de gérer son quotidien sans être accompagnée par son compagnon. Cette maman courageuse a ainsi évoqué sa grossesse pour nos confrères de Télé Loisirs, « Ma grossesse, je l'ai passée seule. J'aurais rêvé d'avoir un homme à mes côtés à la maternité. Je voyais des hommes avec leurs femmes pendant que j'étais toute seule dans ma pauvre chambre. J'ai pleuré, se souvient-elle. Et ce n'est pas la seule épreuve que la maman d'une petite Lina a dû vivre. Son accouchement a été très compliqué. La raison? Des complications qui auraient pu la tuer. À mon accouchement, j'ai fait une hémorragie. J'ai failli mourir avec ma fille. Émilie, j'ai fait une grosse dépression mais la vie en a décidé autrement, Émilie donne naissance à sa fille qui est en pleine santé. Néanmoins, la maman n'est pas sortie indemne de cette expérience, j'ai souffert. J'ai fait une grosse dépression. J'ai pris 35 kilos pendant ma grossesse. Au début du tournage, il m'en restait encore 15. La candidate de Marié au premier regard a pu tout de même compter sur sa mère pour la soutenir, « Si est-y grâce à ma mère que j'ai réussi à relever la tête et que j'arrive à élever ma fille correctement. » Un témoignage bouleversant. Loading Widget.